Bon, je regarde même pas sur Twitch, je suppose que ça marche. Sur Twitch, il y a toujours un petit temps de pour Oui, lancer enfin, pas plus la que sur machine. YouTube. T'es sûr? Ça doit se jouer à 5 secondes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les quêtes annexes qu'on avait oubliées sur la Lune. On continue la mission principale. Vas-y, je sais pas, quête annexe, tu veux. Quête annexe était sur... Alerte officielle du live. Alors. On a oublié des quêtes ici. La fluidité est bon présente. Bah oui, il y a deux quêtes qu'on n'a pas prises du coup. Est-ce qu'on compte un point de repère? Il faut tout se taper à pied là. Ah mais pourquoi je les vois pas afficher moi les quêtes? Tu les vois afficher toi sur la map? Attends, je regarde. Moi, j'ai rien affiché. Non, mais il n'y en a plus, il n'y a plus rien là. De quoi? Ben, c'est qu'on a tout pris. Et si, si, quand tu vas dans la map ATP, t'as deux quêtes. T'as deux points d'exclamation. Ils sont plus. Oui, c'est encore moitié buggy. Bon, on va partir pour la principale alors. Ouais, bon, vas-y, Quitter les laisse tomber. mines. On viendra là plus tard. Quitter tous les menus. Bizarre parce que sur Sanctuary, ils te disent qu'il y a deux quêtes ici. Et où? Comment ça va? Oui. On tient les barricades, qu'il me dit. Centrale à grande vitesse pour quitter la ville. J'ai 5 minutes de live, 5 Grande veille, tu minutes de vas vraiment chargement. ouvrir là?
Chargeons en onde. Attends, je vais vendre quelques trucs avant là. Si on trouve d'autres armes en attendant. Truc. Ouais, moi j'ai déjà vendu, non? Inventaire. Tout 131, j'ai rien de mieux que ça. J'ai déjà ça. Faire un peu de place. Toujours un plaisir, oh, c'est bon. Chasseur de l'arche. Ouais, ok, à plus tard. Ça se passe? C'est bon de vous voir. Je suis fier de me battre pour Atlas. Boris, ne s'envoie jamais nous battre le ventre vide. C'est par où? Ah oui, c'est par là. Moi, je vous attendais de l'autre côté, moi. Oui, c'est là, oui. Attention, une escouade de Maliwan s'est retranchée sur la rampe d'accès. Tu vas devoir les virer de là si tu veux passer. Je vais envoyer les forces d'Atlas te donner un coup de main. Non, c'est nos élites, merde. Ils sont avec nous. Chasseur de l'arche, sécurise la rampe et continue. Ces soldats persistent, malgré la mort de leur chef. Ah ok, c'est notre pote zéro sur le côté là. Dans derrière les voitures. Là sur le côté. Ah y'a. Parler à zéro, bah oui, il faut lui parler justement, tiens. Hop. Ben oui. Ça va, Nakis? Dans le mur et au-delà, quoi. Les bougeux, les bougeux. Regardez-moi, Enjoy Tyrine nous chie à la gueule. Ah boum, écran de chargement. C'est référence à des youtubeurs, on n'est que fortuite. Enjoy bougeux, ça mixe les pseudales. Néon artériel, ça part sur une nouvelle map. Avec un maximum de mocs. La 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 la. Chargement. Tu m'as manqué, ma fille. Hey, salut la brutasse. Alors, on va se l'ouvrir cette arche? Je suis prête. Allez, c'est parti. Hey, Ellie, on aimerait entrer dans l'arche en un seul morceau. Qu'est-ce que tu me proposes? Si tu savais depuis combien de temps j'attends que tu me dises ça, c'est parti pour le projet Bonnet X! Génial. Ne change rien, Ellie. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé la voix de la meuf. Je crois que c'est la meuf qui joue dans quelque part la série Leftover, mais bon, personne connaîtra cette série. On peut monter tous, je crois là. Ouais, c'est bon.
de musique. On va voir ce qu'Ellie nous a mis. C'est la meuf qui joue dans Leftover, je crois, la voix. Ça me revient maintenant. Attendez, on allait trop vite, on allait oublier un spartiate, un claptrap là. On vient en arrière. Cette map totalement couloir. Il est où ton attrape ? Alors, au début. Cette musique ultra lourde. Il est très lourd, là. Hey, salut. La fin. C'est bon, ça le compte pour tout le monde, non? De toute façon. No one. Il dit que c'est coincé, j'en pense vraiment. No one. Ah, pas de chance, c'était le véhicule collecteur, en plus, c'est le véhicule de mission. Pas de chance. Et lui, il va me dire oui, mais qui sait pas conduire. La bougnade. C'est le véhicule officiel. De toute façon, il y a Maya dessus, donc ça va me baiser là. Ouais, parce qu'il y a un banc en fait, on est sur un banc quoi. Oh. On est sur un banc tous les deux. Eh, balancez une grenade, je sais pas moi, faites quelque chose. No one. No one. En bougnade vérité, la bougnade. Bon, allez, j'ai un nouveau véhicule. Vas-y, fonce-moi dedans. Allez, vas-y. No one. Ouais, no c'est one. Bon. C'est bon, on bouge plus là. Oh putain. Cet avant-goût de Mud Runner American Wild va vous étonner. Par contre, t'es possible de foncer dedans, par contre. Allez, on peut dire que la soundtrack est toujours familiale dans les Borderlands, mais qui sont en tout cas. Je sais pas, j'entends rien, moi. Ah bon, t'entends pas la musique, là? Bah non. Ah bon, t'as pas mis de musique? T'as pas mis de musique, hein? Ah merde, attendez, mon véhicule a explosé. Oh putain, ça y est, maintenant qu'on se bouge, j'ai du ki. Ce qui est bien, c'est qu'on va jamais arriver jusqu'à la mission, quoi. Mais il y a de la bonne musique. Le mec qui me parle de musique alors qu'il n'y a rien du tout. Mais t'es sérieux, toi? J'entends que dalle, ça va bouger encore. Bah regarde le live, je sais pas, il y aura peut-être la musique, non? Bah je regarderai. Hein. Non mais regarde le live maintenant! Bah maintenant, Je veux dire, il y a de la musique. J'entends que dalle. Va voir ça te proposer. Il y a un objectif à faire. Hein. Tu vois les véhicules ennemis. Voilà, allez, on a plus de véhicules. Voilà. Là c'est chaud. Il y avait un petit peu bah oui, on avait un véhicule, personne tirait. Hein. No one, no one. No way, no way. Viens là, fils de pute.
Les types sont enflammés. Vous en faites pas, on les reverra à la Grande Arche. En attendant, faites payer ces rapaces pour ce qu'ils ont fait à votre famille. Approche-moi de cette entrée, je vais dégager ça. Venez, j'ai un véhicule collecteur. De toute façon, la quête elle est là. Hein. Ah bon? Qui aura les mettre des véhicules là? Le mec entend pas la musique alors. Si, là c'est revenu un peu. C'est bon! En avant! En avant! Non! La chasse s'envole! Ouais, ok, bon, pas le temps de viser les mobs, d'accord. Par en couille par la maniabilité. Passez par le déversoir. Ouh. Je suis là sans les fitness. Oula. Oula. Comment ça se fait que. Ok. J'ai eu envie de vomir d'un coup. Ok, cela y est. Cette mission épique totalement ratée va vous étonner. Oh putain, vas-y, je vais bloquer moi maintenant. No one, no one. Aïe. Vous savez que c'est qui va aller au lit à minuit? No one, no one. Merde! Là, lui dit, c'est mais plus les que kids, c'est quoi. Vraiment nul, hein! Ah, maintenant, je suis une petite vieille, écoute, hein! Là, lui dit, c'est bon, quoi. Ah, ils sont permis, maintenant, c'est bon, plus d'énergie. Bah, ouais, j'attends qu'on m'invite au cinéma, mais apparemment. Ça maintenant, j'ai permis. Dès la première minute aussi. Ouais, bah, faudrait d'abord que, déjà que je sois invité, déjà. Mais apparemment. Invité. C'est pas prévu, donc bon. Oui. Je n'ai plus une mission. No one, no one. No one more one. Détruire les véhicules ennemis, numériser un autre projet Bonnie X. Ah bon. Ah, c'est des véhicules qui se font à la finie quoi. La logique nous envoie des sagues ou quoi. Ah bah oui. No one, no one. Le Nekis qui me passe totalement à côté, mais qui ne me reste même pas. Hein. Go aller me numériser la voiture, Nekis. Bah, il faut que je meure, voilà. Donc, hop. À pied, c'est infâme en vrai. Cette mission principale totalement foirée a dû être conduite un vendredi soir. Oh. En plus j'ai le hockey et j'ai trop mangé et... Putain mec. Trop mangé alors. Qu'est-ce que ça a mangé? À ton avis, tiens, essaye de deviner, qu'est-ce que ça a mangé? McDo. Allez. Mais qui s'y connaît, hein, il connaît les bails. Ça a bouffé un 280 à tous les coups. Allez. Connaît les bails. Ah, oh, j'ai plus au McDo quoi, puisque ça m'a mis la dernière fois, je sais pas. Et la chasse? Ça m'a pourri l'estomac pendant une semaine. Approche-moi, je vais déblayer ça. Ah, il a eu l'estomac après. C'est là les voitures, non? C'est où pour numériser sa mais caisse non, de merde là, ma voiture, là. Montez dessus là. Ah bon, bah viens me chercher alors. Mais t'es où quoi? Eh, je suis mort, tiens. Stop. No one, no one. Cette chanson no totalement familiale va étonner le Nekids. Cette sensation de vitesse et de propulsion. Conduire jusqu'à la station Apollyon. No one.
Avec Maya, ce PNJ qui a pas du tout bougé depuis le début. C'est boire une bonne brique de jus d'orange, moi c'est ce que je me suis enfoncé. Hop, dessus t'as l'énergie, t'as la vitalité qui monte au cerveau. Quoi. Mais conduit par contre. Nouvelle pièce disponible. Un André qui est parti dans l'élaboration d'un gâteau à 23h. On se sent Masterchef. Quoi? Quoi? Hein? Il y a un écho. Oh putain. Je les ai vus. Qu'est-ce que t'as dit? Il avait pas vu l'écho. Quoi? No one. No one. Les aliens dans le show. C'est zinzin. Apparemment, la Madre qui est en train de faire un gâteau. Eh ouais, bande de slip marron, nos fidèles se sont mis à raconter. Slip marron. Trace de merde. Enfin, c'est dingue avec tout ce bordel. Comment tu veux profiter de ce No one. No one. Qu'est-ce que tu vas faire chez toi là? Mais ça joue à ma Il y a un bruit derrière. Des mobs. Children of the vol, Children of the vol. Il y a des malabar et tout quoi. Ok, les mobs qui sont tenus dans l'espace par Maya. No one. Children of the vol, Children of the vol. Ah, y'a un clap trap. Oh. Ah, ok, quand c'est pas là, c'est là. Cela est totalement pollué. Tout est sous contrôle. Tout est sur contrôle. Ils vont. Des merde. Ils vont comment dire. Un raid, quelqu'un, quelque chose, Nekif. Qui est mort. Un second souffle. Hein. Ah, maintenant oui. Tout est sous contrôle. J'espère que visuellement vous appréciez le spectacle en tout cas. Borderlands c'est du spectacle, c'est des feux d'artifice. Malabar. Je suis pas un gamin, bordel.
Sarah Nikil, pas trop mal aux oreilles. Super, c'est gunfight. No one, no one. Welcome, ça arrive où là? C'est au centre commercial Ital 2. Snipe, j'arrive à rien en vrai, putain. Le problème, c'est que les mobs volent plus quand on leur tire dedans que quand on leur tire pas dedans, quoi. No way. Oui. Oui. No way. Ah, y'a fait, j'entends plus rien. No one, no one. Ça fait un gâteau à la poire et au chocolat, la possible, comme tu sais ça. Pourquoi c'est un gâteau maintenant? Pourquoi c'est un gâteau maintenant? Je dis pas au courant. Mais quoi? Ah, c'est pour mon anniversaire la semaine prochaine, hein, c'est gentil. Ah? Ouais. Hein? No way. Munitions. C'est ce cul d'enculé que ça prend dans le cul des fois. Panique cool là. Non mais on entend comme si tu passes aspirateur quoi. Il y a un écho. Un écho dans le jeu, hein, pas un écho. Ah d'accord, ok, pardon. Ah, il y a un méga coffre par contre ici. Ça ils l'ont pas vu. Hein. Allez les armes. L'aspirateur c'est le moulinet pour faire les gâteaux. C'est pas ouf par contre. 22, c'est le niveau. Le coffre était skinné, mais par contre, l'arme est pas... Allez, la Maya sur le bureau. Faites-vous polir le cul par le professionnel de la rue. Aïe, hein. Je lis ça en bas, je comprends pas ce qui se passe. Sur qui on tire, là? Il est où, le meuble? C'est un nain. Oui, d'accord. De balle, moi. Ok. Moi, de content, les marmots. Ah, un écho. On est d'accord que les. C'est. Tout le monde, hein? Oui, oui, c'est ce que t'es en train d'entendre là. Il y a un coffre, personne ne le dit, hein. Mais là, c'est oublié, c'est oublié. Attends, il y a du mauvais sens, là. Je voudrais une mitrailleuse. Il est où, le coffre?
Sous Ok, la le. musique qui ressemble à la musique d'Interstellar. C'est que des pistolets. Pas très. Ah ouais, il y a un pistolet niveau 22, violet, je vais le prendre peut-être pour tout à l'heure, on verra bien. Ah, pistolet, c'est bien, mais après, il faut trouver des bons pistolets aussi dans le jeu. Aïe, hein. Attends, on va pas aller trop vite là. Bah vas-y, je suis Mais tu avec peux pas. toi, Ludy. Mais. Tu peux pas. Je peux pas avancer? Ah merde, bah attends, je descends, oui, c'est parce que. Bah vas-y, avance, c'est pas grave. Parce qu'il y avait le câble qui bloquait en haut. Non, mais je peux pas avancer non plus? Ah bah faut que tu sortes du robot là. Ah ouais, mais si je sors, je pourrais plus le reprendre après. Après, je vais attendre donc. Ah merde, mais moi C'est non plus, je sérieux peux pas avancer, ça me fait que sortir de. Ça me fait. là? C'est que des galeries ça? Ah si c'est bon, oui. Mais alors? Voilà. Ah, y a le train qui passe, ça m'appelle une match à 2 ou 3. Ouais. J'espère que visuellement vous appréciez le délire, les amis. Borderlands, c'est ça, c'est avant tout un joyeux foutoir, quoi. Attends, Ludine. C'est bon, il y a Maya qui traîne, je crois. Mais ce gros plus, c'est me laisser crever. Ah non, elle était surtout en Elle train me de laisse te raid. crever. Non, elle est en train de me laisser crever. Comment ça? Elle a commencé à me raid et c'est pareil. Ah merde! J'ai été happé par le train. Ouais, alors les PNJ qui t'aident, mais en fait qui t'aident pas, bon. C'est casse-couille. Si, moi elle m'arrête. Hein. Mais pas là. Le Pookie dans le style. Tap 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 la Pookie. Oui, il y a 4 pattes là dans le coin. Pomerez. Oh, c'est bon, il y en a un qui a l'œil, putain. On s'en fout. Attends, tu sers des choses. Le défaut de savoir tuer des mobs. Aïe 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 la Pookie. Clap 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 de la Pookie. Il a un insulte sans PS. Il ne ramasse absolument pas le carton avec de la monnaie dedans. Clap 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 de la Pookie. Allez, salut. L'arche n'est plus très loin. Je ne sais pas quel pouvoir elle renferme. Mais on est sur la fin du jeu là, non? Pas du tout. Non. On arrive à l'arche. Allez, encore un coup. Lui qui pense que ça s'arrête là. Lui dit qu'il croit en avoir fini. Mais c'est trop bon. Ils protègent les arches contre les fous qui cherchent à les ouvrir. Ils seront pas contents de nous voir. Clap 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 de la Pookie. Putain, j'ai reçu ça dans la tête, bordel de merde, non. Pitié, non. Ouch. Fantôme. Hein? Quoi? Comment ça, fantôme? Parce que c'est mob. Putain. Wow, wow. Spectre, un spectre, un spectre. T'as vu, la fille qui a mis la choquée sur Destiny. Mais attends, Maya, en fait, très clairement, elle ne sert à rien, en fait. Bien sûr.
l'écran parce que j'étais là où j'ai des choses claires. Éventuellement dans le truc, je me serais me faire m'arraver la gueule. On va foncer dans le tas. Elle va foncer dans le tas, ouais. Ta soeur, elle va foncer dans le tas aussi. Ta 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 la poukine. J'étais avec le gros pou de Nikils. Son gros pou là. Je l'appelais comme ça d'ailleurs, mon pet, pour si vous voulez tout savoir. Il y a la poukine dans le tas. Tu l'as appelé Yanaka comme Moura? Je l'ai appelé Yalapri dans le style. Mais ça se voit pas quoi, c'est un peu intérêt. Balance du Wumi, balance du Wumi. Je suis en train de me faire martyriser la gueule surtout. Surtout sur ma gueule. Clap 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 dans la poupie. Ah bah voilà. Adieu. Well. Je peux payer. Bloqué. Hey, j'ai trouvé le truc secret là. T'as retrouvé l'enregistrement? Ah y'a le stuff. Oh, sérieux, comment t'as fait tout en cuivre? Ah y'a 304 le stuff. Mais go nous dire où c'était. Bah où je suis, tiens. Ah mais c'est juste là. Pistolet, pistolet. Oh, c'est que du pistolet après. Ok. Bah c'est de la merde en tout cas, les armes. C'est pas de ce que j'ai de mieux. Je suis tombé. C'est pas ouf comme truc. Non. Moi j'ai même un socket pas mal 304. C'est de la merde. Hein. Allez, tu meurs 2087. Allez, salut. Clac 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 la pookie. Putain, Niki, je me mets ça dans la tête. J'ai trouvé un lance-rocket moi, mais bon. Après. Non, c'est pas mal. Top, 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 t'as le pouki. Super top. Ouais mais le verre et tout c'est bien, mais go me donner des armes. Des putes. Des putes violettes ou oranges quoi. Le mec qui level 20 veut déjà du step endgame. Bien sûr. Déjà un level 21. Si Maya elle sert à mettre les mobs dans les boules en haut là, c'est tout. Voilà. Oh super. Fin de l'histoire. Super Suka. Allez, je vais déverser du vomi. C'est une équipe qui est en train de dégueuler son pack. Votre CBO il est parfait. Votre 280, la tomate elle est fraîche? Non, elle est pas fraîche. Hein. Elle est bio. C'est ce que je me disais. Et la salade elle est fraîche. Elle a quelques jours. Hein. Plus de bruit. La salade en plastique. What? The Forgotten Basin. Ce qui m'a rushé le téléchargement. Minuit au lit. Est-ce que ça game qu'elle m'envoie un message? Ben ça avait la forme, mais là, elle est tombée d'un coup, ouais, je suis rien compris. C'est arrivé, ça pardonne plus quoi. Bon, eh bien, on va devoir se débrouiller.
Faut qu'il y ait le camion sorti de nulle part. Ah, je sens qu'on va battre un boss ici. Je suis pas fâché d'être venu. Quand tu prépare-toi. La créature que les Héridiens ont enfermée à l'intérieur de l'arche dormait depuis des millénaires. Ça m'étonnerait qu'elle se lève du bon pied. Là, cette arche, c'est l'entrée. Place la clé dans le piédestal. Vas-y, je vous attends. Je vous attends, on est copines. Basilique oubliée. Je vais équiper mon nouveau point de compétence, moi, par contre. Avant le boss. Pas le mettre, là? Oui. Ça marche pas. Pas fou. Je suis pas encore passé 21, moi j'ai un poil de cul. Non, 22. 22, pardon. Puis du coup, vous savez. Nous sommes réunis en ce jour. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Are you ready, motherfuckers? Albert, t'es prêt? Non. Je vais mettre ça plutôt. C'est bon? On va voir ce que tu caches. C'est parti! Ah, il y a le symbole de McDonald's de l'arche. Le symbole de l'arche. Bougnadère. On aurait pu le appeler Bougnadère. Ah non, c'est The Rampagneer. The Rampagneer. Bougne, balancez la sauce. Je vais balancer mon soin que je viens d'avoir. Résiste alors. A-t-il un point faible? C'est ça la question. Peut-être est-il sensible aux armes électriques, dirons-nous, ou autre. Ah, il est blessé. Défoncez-le, je vais m'attarder. Focus. En tout cas, mon vomi plus lance. Ah, pas de chance. J'ai besoin de. Allez. Je suis mort, il est sérieux. Et Maya. Après, il prend des dégâts quand même, le mob même. Pas de chance, il m'a roche sur le cul. C'est épileptique ces combats. Il est à terre, allez-y. Insensible. Il est insensible, hein, tous les merdes. Par contre, c'est gentil, mais moi je vais aller chercher les munitions. Il n'y a pas par là. C'est sur quoi il veut qu'on tire. Sur les boules autour, non? Je sais pas. Il devient complètement ouf. Ah ok. Tombez pas les dégâts. Allez, dans mon truc il est fini. Godzilla. Il y a plein de munitions par terre là. J'ai plus de roquettes, c'est pas grave. Faire comme ça. Il vomit du verre, ça veut dire. Qui va être sensible au feu. Hein? Il est sensible au feu. Ah oui, mais moi c'est pas encore mon truc. Ah, dépêche-toi. Il est fait à la moitié. Munition.
Je n'ai plus aucune munition. Mais va au, en haut, aux alentours, t'as des munitions un peu partout. Allez là, monte. Ouais, bah, là c'est le moment de se barrer, il est insensible là. Munitions un peu partout par terre. Mais moi j'ai rien. Aux alentours, je sais pas. Ah oui, il faut tirer dans les bordels qui volent. Ouais. Si vous voyez qu'ils volent. Ouais. Mais les petits trucs bleus qui volent là, dans les airs là. Ces bruits complètement pacifiques crime. Il est en haut, il balance du feu. Merde ! Tu mords. Je vais crever voilà. Aussi. Et c'est là que le boss s'achève, mes amis. On n'aura pas compris la strat. Second souffle, c'est bon, on part. J'ai plus que 52 pour HP. On va y tirer dessus là. Mais c'est un membre de MMORPG, c'est pas possible. C'est un boss de l'arche quoi, c'est un boss collector. C'est un dragon hein, Daenerys au scalier. Daddy le mob il s'est transformé en pouille n'importe quoi. Ça ressemble bien à un boss de fin pourtant. On est d'accord. J'ai d'être ça. Heureusement que Maya est là pour nous reste à 24 sinon. Allez, je bats, putain, j'ai plus de mun. Je suis à sec de partout. Moi aussi. 18 balles. Merde, il fait tomber des trucs, il fait tomber des trucs. Aïe, aïe, aïe. Il vient là où je suis, je me casse. J'espère que t'apprécies la musique techno, Nekils. Techno. J'ai mon ulti. Ah, je suis encore mort. Ah non, second sous direct. Allez, donnez tout. Putain, mais je l'ai plus, mais. Il est blessé, go. Là, ça sent le loot maxi légendaire. Allez, on y va! J'ai plus de mine, ouais. Voilà. Allez! Un max de loot! C'est littéralement une pluie de loot! Ce final détonnant. Tout ça pour rien trouver au final. Il y avait pas mal d'iridium, par contre, j'ai l'impression, par terre. 264. Ah, un bouclard 760, par contre ça c'est intéressant. Je t'avais dit d'attendre sur le vaisseau. Bon, je vais pas faire des pop-up mobs qu'on voit ce qu'il y a. Mais moi, je voulais voir une arche. Le gonze il y a cru, t'sais. Les mecs ils font pop du loot mais ils me laissent le mob alors. C'est plus compliqué que de foncer tête baissée vers le danger. Ouais, ok. Ah. Écoute, tu devrais entrer. C'est bon, c'est vos merdes par contre. Je dois avoir une petite discussion avec mon apprenti. Il y a pas de violet en fait. Enfin, on a moi, j'en ai... Il y avait quelques trucs d'iridium, je crois, mais quelques morceaux d'iridium.
Du verre, mais du verre quoi, 244, ça vaut rien, je ne ça. Plaisante pas. Ouais, je sais. C'est clair. Attends, j'ai du orange. Ne touche à rien du tout. Non, tu te fais des idées. Ça vaut que de chi, ça. Skin d'armes. Ah, c'est bien ça, skin d'armes, par contre. Ça, c'est bien, c'est marrant, je veux dire. Ça sert à rien, mais... Non, pourquoi vous avez remis C'est pas moi. Nekis. Le vrai stuff est là, le vrai stuff est là. Vous m'entendez? Pas de panique, je teste simplement un nouvel appareil de communication basé sur les pouvoirs de Lilith. Ah ok, c'est un gros collecteur. Il ne puisse pas franchir les limites de l'arche, alors je n'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que c'est? La carte des arches ne nous a pas conduits ici pour rien. Cet appareil doit avoir son importance. De l'iridium! 152 iridium. Faut casser les trucs aux alentours, c'est de l'iridium. Alors ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est de la merde. Faut casser les trucs. De quoi? Max iridium, max iridium. Les trucs violets. La monnaie du jeu quelque part. Ah oui, c'est avec l'arme qu'on a trouvé, on peut briser ça maintenant. Ouais, enfin tu fais R3 quoi, puis voilà. Fascinant. Cette arche est liée à une autre par un ancien conduit énergétique. Oui, avant ça marchait pas parce qu'on avait pas l'arme. Mais maintenant tout ce que t'auras sur la carte en violet, il faudra toujours les casser maintenant. Récupérez Maya et son élève Troublion et revenez au vaisseau. Oui, mais on attend à pouvoir débloquer les symboles là. Go tout prendre c'est là. Ça, le c'est que du pistolet qu'on fait chier. L'iridium c'est bien ça. Par contre, ouais, puis pistolet c'est, par contre, c'est de la merde, mais. Mais bon, Maya. Cette salle de lutte dans un espace interdimensionnel. C'est l'iridium, on en avait des... il y en a un peu partout sur les maps quand on joue, mais pour l'instant, enfin jusque là on pouvait pas le casser, on pouvait pas le prendre. On pouvait le casser, mais là on a le gant, c'est bon. Le gange. On a le gange de l'arche, c'est bon quoi. Oh, c'est le gange. Ava, j'essaie juste de te protéger. Comme ça, en m'abandonnant sur le réseau. Ah, c'est la petite sœur LGBTesque. Ça fait sa crise d'adolescence. Mais oui, quand tu seras prête. Bougne. Salut les biatchs. Allez. Bienvenue en live. Merci d'avoir fait le sale boulot. Merde, les rapaces ont vraiment le cerveau dans la gâchette. Continue comme ça et je serai vraiment une déesse. On sera des dieux. C'est ce que j'ai dit. Allez, laisse-moi faire. Aya, vous sentez le scénario que le frère va se retourner contre la sœur? Je vous le dis, moi je travaille chez Gearbox, j'ai mes sources. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? On prend ce qui nous revient. Parce que les monstres ne protègent pas le pouvoir des arches. Ils sont le pouvoir des arches. Et maintenant, il est à moi. Hé, hey, t'en gardes un peu pour le parasite? Là, quand ça va devoir affronter ça en boss final, le Nekis va être par terre, le gonze. On s'en va. Maintenant. On devrait plutôt le mec qui croit qu'on va les affronter en boss final. C'est qui la gamine? Ça va être la fin, en fait, ça va devenir nos potes. C'est moi ton problème. Je vais devenir une sirène et puis je retapisserai les murs avec vos gueules de con. Ah ouais? Tu crois que c'est comme okay, ça? Le langage. Ça marche? Ah ma pauvre, c'est pas comme si t'allais ressortir d'ici. Oh. Mmh.
lâche, là. C'est ce que je pensais. Maya! Ava! Non! C'est dans quel jeu, Nekis, où il y a deux mobs, les méchants, c'est le frère et la sœur aussi. Putain, qu'on a fait avec Ludy il y a pas longtemps. C'est pas Destiny, justement. Hein? C'est pas Destiny. Ah si, c'était dans un DLC de Destiny, je crois. Ouais, ça y est, ça m'en revient, ouais. J'ai plus les noms, mais ouais. C'était d'un renégat, non? Peut-être, ouais. Je croyais qu'il y avait que moi qui pouvait te nourrir. Faut croire que c'est... toutes les sirènes. Allez, on a eu ce qu'on voulait. Ouais. Et même plus que ça. Mais tu sais, si jamais ça se concrétise, ton histoire de sirène. Aïe. Ça tombe dans la roche. Oh, c'est bug magnifique. Je sais pas si vous l'avez aussi. Non. Je l'ai aussi en cinématique. Mais c'est peut-être voulu en fait, non? Je sais pas, non? Maya. Non, non, c'était un caillou. Mais... prenez la fille et revenez au vaisseau. Je vais... attendez, je peux finir. Il est mort. Bah oui, il a tué. Ah, okay. Elle est où Maya? Elle est morte du coup? Mais oui, il l'a tué! Ok, mais vous avez pas suivi alors. Elle est morte alors. Mais oui, elle est morte. Elle est où? Il y a même pas... ils ont pas laissé... ils ont pas laissé le corps. Ça veut dire qu'elle va revenir. Mais bien sûr. Elle est morte. Maya est morte. On pleurera quand on sera à l'abri. Viens avec moi. Écoutez-moi le Nekis là! Qui va même pas verser sa larme, hein, habillé en soldat du Troisième Reich, là. Ah, les meuleux, là. Ah, allez-moi ça, mes amis. Je parle, suivez-moi. Retourne à Sanctuary. Ah, les meuleux, l'autre. Il sort tout droit des SS, quoi. On sait toujours pas comment faire les emotes, quoi. Bah, je sais pas si t'as essayé l'intégralité des boutons. Bien sûr. Ludy est déjà parti au lit Hud à la prochaine mission. Mais je sais pas, j'arrive pas non plus. J'arrive pas. Mais Sanctuary, on peut pas, il y a que Mad Bud qui peut. Faut aller à Sanctuary. Ah oui, de toute façon, on va arrêter à Sanctuary, non? Ah, y'a. Sanctuary. Ils vont au bout de leur vie à minuit à samedi soir. Dire qu'à l'époque, à cette heure-là, ça partait se jeter un lit jusqu'à 4h du mat. À l'époque, ça connaissait pas la fatigue, quoi. Maintenant, ça la connaît, la fatigue, quoi. Ce lance-roquette va étonner le Nekis. J'ai des trucs sur le côté, je sais même pas ce que c'est. Des savonnettes, okay, on dirait. Plus gros que le mob. Lilith, bon bah c'est en bas, enfin au bout, tout au bout du bordel, hein, comme d'hab. Allons parler à Lilith de la nation. Merci d'avoir ramené Ava. Lilith. Allez, il y a la Traps aussi. Et je la ah, il y a Moxie. Oh, il y a tout le monde. Jack a tué Roland, j'ai pas dormi pendant une semaine. Là, il y a le gratin. Roland se rappelle. Ah, il y a Moxie aussi. Moxie est toujours là, quoi. C'est ça qui est intéressant.
voyez ce que je veux dire. Mais elle est morte, et c'est la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour honorer sa mémoire du mieux qu'on pourra. Les guerres font des morts, par milliers. Je veux dire, la guerre font des morts. L'eau, ça mouille, et le feu, ça brûle. Ne demandez pas de parler à votre enterrement, ouais. Lilith. Oh, comptez sur moi, Danis. Vous pouvez. Je sais ce que je suis. Une scientifique brillante et froide. Et vous savez ce que vous êtes. Parce que tout le monde sur ce vaisseau attend que vous disiez quelque chose. Et tant que vous vous tairez, ils ne pourront pas reprendre leur travail pour empêcher ce débris flottant de dériver dans l'espace. Maya était plus qu'un pillard écarlate ou un chasseur de l'Arche. C'était ma famille. Mais on ne doit pas perdre de vue notre mission. On va ouvrir ces arches. C'est la seule façon de donner du sens à sa mort. Et maintenant, tout le monde à son poste. Ouvrir ces arches? C'est tout ce que tu trouves à dire? Maya est morte parce que tu voulais ouvrir les arches. On devrait être en train de traquer les Calypso pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. La Dorobelle qui va enculer Lilith. Maya la dit toujours qu'un chasseur de l'arche court vers le danger. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. T'as sauvé Pandore. T'as tué le beau Jack. T'es censé être le faucon ardent. Je ne sais pas ce que je suis. Dire que le Nekis, dans quelques années, il va en avoir une comme ça, là. Quelqu'un d'autre y laisse la peau. Quand elle sera plus grande. Ouais. Si elle va bien, d'accord. Il faut aussi bien s'y prendre dès le début, quoi. Trois coups de martinet par jour. Attends, en sous-annexe, il y a parlé à Ava. Attends, fallait parler à Ava d'abord. C'est l'annexe plus. Et viens là, sale gamine. Ah mais c'est sa chambre d'ailleurs, ça. C'est toi. Et là, sa pute. J'ai pas grand chose à dire, tu sais. C'est la guerre, les gens meurent. Tiens, un jour. D'ailleurs, on était venus déjà là. Une bonne murge, toi et moi. Et on chantera ses exploits juste. Une murge. C'est la guerre, les gens meurent. Rien t'obligeait à venir me parler, mais. Le Zayn qui propose à gamine de se murger la gueule. Je suis sûr qu'elle va être ça très bien. Le soleil s'est levé, il fait jour. Tu devrais y aller. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule là. Vous avez rempli un objectif optionnel, blablabla, vous aurez des trucs optionnels à la fin. D'accord. On doit mettre le cap sur Eden 6. Pas une seconde à peine. Et à la fin de quoi? C'est apparu sur mon écran. L'objectif de parler à Ava, c'était optionnel, on n'était pas obligé. On a sirène sur l'écran 4K. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça vient d'où la musique là? Montage Eco Plus. Ah bougne, j'ai pas vu. Il y a un best-of en haut là. Les choses sont vraiment dans l'air du temps, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est vraiment des youtubeurs, quoi, finalement. Des influenceurs. Hein. Oui. Y a rien ni personne qui compte pour des pourritures pareilles. Et c'est bien ça qui les rend extrêmement dangereux. D'après Tanis. L'arche de Prométhée était reliée. Vous avez débloqué un nouvel emplacement d'armes. Allez! Allez, trophée! Allez, une arme orange! Loin des yeux. Amerloc, ça part rencontrer Amerloc. Sœur Amerloc, là, ça va rencontrer les guests. De l'arche sont déjà sur Eden 6. Toi, va retrouver Wainwright Jacobs et essaie de voir ce qui se passe. Ouais, je me suis convaincu. On a débloqué un truc légendaire, c'est ça?
Est-ce que quelqu'un pourrait c'est balancer l'arme une arme allez légendaire? Allez famoso rayon laser. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait balancer une arme légendaire? Que je lui refile après. Une arme légendaire? Ouais, une arme violette. Que je lui rebalance après. Légendaire, c'est pas violet, c'est... Ouais, c'est un violet, quoi. Ah, tu veux du violet, quoi. Voilà. Une seule. Cimer. Je fais... Je vois juste si le trophée y passe. Le trophée? Le trophée de quoi? Y a pas un trophée avec ne soit équipé que des légendaires? De violet, je peux pas. Légendaire, c'est orange. Attends. Ouais, légendaire, c'est orange. Violet, c'est violet, c'est quoi? C'est épique, violet. Ouais, et puis il te faut du orange partout, puis même on n'a pas tout débloqué, puisque dans l'inventaire, en bas, il manque une case encore. N'équiper que du matériel violet ou supérieur. Oui, mais dans les armes et dans tout ce qui est 8 et A3 sur 4 en bas. Il manque encore une case. Oui, il manque encore une case, donc c'est trop tôt. Ah ouais. Ok, mais attends, je te redonne ça. Ouais, non mais c'est bon, vas-y, garde-le. Go rejoindre Eden 6. Ah bon? C'est bon. Ouais, ouais, c'était un. C'était quoi un lance-roquette, mais j'ai mieux. Non. J'ai un bleu, mais plus puissant, quoi. Enfin, vide, parce que j'ai pas de roquette pour l'instant, mais. Go, go, Neki, ça se passe ici, ça se passe au premier plan, hein, moi, ça. Ça n'a pas du tout attendu pour la planète Eden 6. Hein. Merde. Je suis où? Ça a passé devant la planète plate. Attention, regardez ça, c'est là. Ah non, c'est ça, regarde. Je suis tombé quelques barres en bas. C'est Jupiter, non? Bon, mais moi je reste en bas, on voit mieux en bas. Hein. Mais t'es où en bas? Ah merde! Allez, bah en bas, devant le. En bas du bureau là, tout à l'avant du truc. Tu vas tout au bout, tout au bout. Allez, on tourne! Allez, la vitesse intergalactique! On passe le mur du son. Je vais renvoyer sur Pandore pour nos signes. Quoi? Wow. C'est finalement une petite planète. Mais non, on va à Eden 6 là. Oui, mais je me suis trompé, je me suis renvoyé à Pandore. Comment tu parles? Qu'est-ce que tu dis? On était en cinématique pour aller vers Eden 6. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, mais là tu peux changer de planète. Oui, ben vas-y, rejoins Eden 6. Eh, promettez, on avait une quête. Oui, oui, mais moi je suis sur du lion. Ah, y'a. Vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà. Allez. Ça arrive sur les planètes. C'est quand même pas dégueulasse, mes amis. Le petit cul. Hammer block. Hammer lock, hammer block. T'as compris, Nekis, le jeu de mots? Hammer en plus marteau. Ah, bloc, hammer marteau block. Ouais, allez, moi je me casse. Je t'ai prometté. Comptez pour regarder les. Ouais, ouais, allez. Ciao, Bambino, demain. Aïe, ça part en courant au cambu. Oh putain, ouais, j'ai pépé là. Je vais tomber raide. Allez, bonne nuit. J'ai pépé, chéché. Tu vas où toi, Nikit, là? Ben, je vais voir le TP. Hammer Blog, mais d'ailleurs, on n'a pas d'objectif là pour la mission. Ah, mais non, parce que le TP est un genre de.
Pour l'instant, on n'a pas d'objectif. Il y avait des caisses à Prométhée. Go caresser une petite bestiole, c'est trop mignon, les kills. Comment c'est une bestiole? Merde. Là. Merde. Mais là où je suis, espèce de goliot. C'est quoi ça? J'en sais rien. Go la caresser. Mais tire pas, enculé! Go la caresser, ça fait des petits cœurs et tout. C'est toujours plus sympa et plus mignon que ta grosse merde de bestiole qui me gâche trois quarts de mon écran, là, enculé. Vous me trouvez un bouton pour pouvoir la ranger, enculé, comme un Pokémon. Hein. Putain. En plus, je peux changer de... Je peux juste prendre celui-là, en plus. Hein. Mais go, mettre un autre plus petit, hein, c'est infâme. En plus, c'est moche. Non, je vais regarder après. Basique, au bout, il n'y a pas d'autre quête. Ah non, progression 100%. Ouais, c'est un... Je crois que je peux changer à volonté. Attends, je vais mettre mon... C'est marrant. Est-ce qu'on n'avait pas oublié des objets trouvés quelque part, tiens, dans la machine? Ah! Putain. Alors, il y a du orange, il y a du violet. Mais quelque part, c'est level très faible, quoi. Est-ce que si je pars, elle me suit, la bestiole? Ah, je peux avoir ça comme pet. J'ai besoin de toi. Attends, mais t'es où, toi? J'ai avec un pistolet. Ah oui. Alors là, ah bah, c'est mieux, ça. Du niveau 1 pour l'instant. C'est un singe avec un pistolet, c'est... bon. J'ai mis tous mes points dans l'autre bordel, donc là du coup, ça n'a aucun intérêt. Ah bon, ouais, mais enfin, parce qu'en même temps, ta bestiole, l'autre, elle sert pas à grand chose non plus, quoi. Bien. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais. Non, j'ai ça. C'est quoi ça? C'est un skag. C'est un skag classique, quoi. Augmente ses dégâts. On va essayer de... J'essaie de jouer au pistolet peut-être un peu, je sais pas. Pistolet, on joue pas souvent au pistolet, ça. Ah, ok. Ok, l'abomination de bestiole. Le Jackos devient... Quand Flock donne l'ordre d'attaquer, le flingueur s'équipe d'un lance-roquette pour tirer sur la cible. C'est ça que j'aurais dû prendre Jacker. Qu'on peut reset ses compétences, il faut que t'ailles, je sais pas, sur la machine où il y a les skins là. Attends, je regarde, c'est là, je crois. Ouais, c'est là, sur la machine. Par contre, je crois que ça coûte de l'argent, donc regarde bien avant de le faire. Hein. Je crois que ça coûte des sous. Hein. Réinitialiser les points pour 3000$. Ah bon, moi, je vais le faire. Pour ton arbre de compétences, tu parles, tu changes de catégorie du coup? Bah, je vais prendre le singe, parce que le singe il a un pistolet, mais quand tu l'as mis, après il a une mitraillette et un lance-roquette, donc quelque part c'est mieux. Parce que mon scarabée il sert à rien, quoi. Bah, scarabée il scarabe, quoi, mais.
Fax se dissimule et devient invisible. Alors, la santé maximale de Flak est augmentée et se régénère en permanence. C'est bien ça déjà. J'ai déjà deux points là-dedans. Après j'ai vu que sur mon drone là, il y a des trucs, t'as ton. Alors, je sais pas si toi c'est pareil parce que c'est pas du tout la même classe, en fait t'as ton arbre de compétences principale, et sur les côtés, t'as les carrés en plus qui débordent, tu sais, à gauche ou à droite. Oui, ça c'est les compétences, ça. Et après, tu peux les mettre en plus, ouais, sur ton drone ou sur ton animal, enfin sur ton truc que t'as, quoi. Là, les trucs sur les côtés en plus, là, c'est les trucs que tu peux mettre à volonté. Tu peux même les prendre dans tes autres compétences. Il faut mettre des points pour débloquer. Oui. Et après, j'ai vu qu'il y a ça, il y a pour les grenades aussi à droite, mais bon, pour l'instant, c'est bloqué encore sur les grenades. Sur les grenades ? Bah, tu sais, t'as l'arbre de compétences, et après, à droite de l'écran, là où il y a ton perso qui apparaît, t'as une colonne à gauche du personnage et une colonne à droite. Moi c'est pas pareil, moi j'ai une colonne. C'est pas pareil, non. C'est trois trucs. Hein. Ah oui, c'est pas pareil, moi, en fait. Oui. Débloqué. Ouais, ça dépend vraiment de la classe, quoi, en fait. Les arbres sont totalement différents, quoi. Ce qui est différent, justement, par rapport aux autres Borderlands, où là, le truc était un peu plus. Comment dire, les arbres étaient un peu plus généralistes, quoi. Là, je suis en train de voir, là, le singe, c'est une branche heal, parce que là, j'ai vos alliés bénéficient d'une portion de régénération de santé. Bah, c'est santé bien. Santé régénérée, partagée par vos alliés. Bon, c'est bien, pas, ça. Alors. Bah oui, c'est, il fallait qu'ils prennent ça dès le début, d'ailleurs. En plus de ses armes. Ouais, bah là, ça, vous allez avoir de la régénération de santé grâce aux pets. Ah oui, bah c'est bien, ça. Parce qu'au début j'étais parti sur le clone moi avec mon personnage, mais au final je suis en train de regarder les trois arbres là, le mieux ça reste le drone. Hein. Après j'avais un bouclier bah aussi, oui, mais le bon, drone, oui. Le drone, ouais, tout ce qu'il y a en plus dessus après. Parce que là j'ai débloqué des trucs, donc c'est le nom du drone, le SNTNL, bon bref, ajoute un lance-roquette à ses armes principales lui permettant de tirer des roquettes en plus d'utiliser des mitrailleuses. Là ça va envoyer du steak. Oui, il peut. Le drone, il peut lancer des roquettes. Oui. Et moi, là, si j'ai assez de points, mon singe, il peut lancer des roquettes aussi. Ah, ça sera au fur et à mesure, ça, quand on. C'est bien ça. Quand Flak passe en combat dessus, enfin, quand je crève, mon familier tente de me réanimer. Lol. Ah, enfin, il tente. Pas sûr, mais il peut, quoi. Ouais, s'il n'est pas crevé, là, vu que l'autre, il est tout le temps mort. Ah oui, ça sera beaucoup mieux que la bestiole que t'avais au début. Non, mais c'est oui. Quand il reste en mouvement, Flak régénère constamment. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment la branche heal, quoi. Dès que je bouge, je régénère de la santé. Mais c'est carrément bien, ça. C'est heal, mais en même temps, il peut faire du dégât, donc c'est bien. Bah là, ouais, là, je me fais heal à fond, du coup, ouais. J'ai deux boucliers, par contre ils servent à rien, ça je vais les vendre. Ah non mais là on peut pas vendre, ouais bon c'est pas grave. Je suis beau comment ? Vas-y, parle-moi à cœur ouvert. Bon, ça commence à avancer. Au début, c'est prise en main, temps de
de refaire les Borderlands, c'est toujours toujours une question de prise en main, mais après, bon, ça va. Les tirs successifs atteignant une même cible augmentent les dégâts critiques pour chaque. Ah, il y a normalement mon singe. Mon singe est quelque part évolué à son maximum. Il est moins gros que la. Genre, ouais, mais ça sera mieux. Ouais. Et tu peux lui mettre un skin ou pas? Non, mais c'est déjà mieux. Ouais. Non, ça fait moins grosse boule là sur l'écran de merde là. Faut le caresser. Hein. Et du coup, ma compétence, là, je suis invisible. Ah oui, tu peux te rendre invisible. Je suis invisible et du coup, ça nous heal, je sais pas quoi. Ah, ok. Ah, ok, il a carrément un sac à dos, des lunettes et tout, quoi. Et il a un flingue, il a déjà son flingue à la main, quoi. T'as combien de points de vie sur. T'as combien de points de vie, toi? Le point de vie, la barre rouge, donc. Ah, en bas à gauche, ouais. 532. Ah, je suis à 732 là, avec tout ce que j'ai mis comme point. Ah oui! Mais en bouclard, t'as combien? 531. Moi j'ai un gros bouclard là, j'ai 861. Ah oui. Ouais. Bah oui. Ok, l'arme du turfu. Hein. C'est une arme qui fait des dégâts corrosifs d'ailleurs. Ce que je comprends pas, c'est que. C'est que. Là, j'ai équipé des barres des compétences d'action, mais comment tu fais pour les activer là? Attends, tu vois ça où? Ah, c'est du passif. Oui, il y a des trucs passifs aussi. Ouais, c'est passif en fait. On va un petit passe à 21%. Bon, on va dire au revoir à nos amis, Nekix. Nos amis Twitchers qui étaient aussi nombreux qu'un live YouTube finalement. Finalement, je sais pas si ça change grand chose quoi. Ben, ouais. Elle est où ma chambre, moi, là, déjà? Attends, c'est là, là? Parce que mon perso est censé être un alcoolique, mais... Ah oui, il y a des bières, là. Oui. Et l'iridium, on a combien? Attends, j'ai pas radé, là, je suis à combien? C'est où qu'on voit son argent, déjà? Ah oui, c'est là. Et quelques... Ah oui, je suis à 431, moi. Ah oui, quand même. Bah oui, on en a ramassé tout à l'heure dans la salle, là, où il y avait l'arche, là. Avec le coffre, là. Avec les coffres. Oui. Mais ça compte pour tout le monde, ça, de toute façon, quand tu ramasses. Je sais pas. Je crois que c'est propre à chacun, ça. C'est comme l'argent, hein. Ah bon? Ouais, je crois que c'est propre à chacun, ça. A qui nous a tout ninja. On go dire au revoir à nos amis, Nekils. Ben, au revoir et à la prochaine. Pour des nouvelles aventures sur Borderlands 3. Seconde, il a pas vu encore avec son très bon...